Tout de suite, je vais vous présenter cette lag acoustique, la JL400D comme 400 gymnastes de la gamme Winter. Alors, gamme Winter hiver, malgré son nom, c'est une guitare qui est vraiment pas froide, elle est pleine de chaleur et elle nous laisse pas de marbre. Je vais vous la tester de suite. Alors, au niveau du look, ça y est, on est habitué au style des guitares lag, des acoustiques de la gamme des 4 saisons. C'est superbe finition, on a l'impression que ça sort chez le luthier. Là, on peut voir tous les petits détails derrière, la talonnette sculptée, le manche bien verni, le vernis est super classe, la guitare elle brille. Alors, au niveau du son, comme vous avez pu l'entendre, on a un son super équilibré, il y a une bonne présence au niveau des aigus, des médiums et des basses. On peut bien différencier les nuances des attaques, là, par exemple, pour comment on fait les accords. On entend bien quand on accentue les aigus, quand on attaque plus les basses. C'est très bien équilibré, il y a une bonne présence, un bon sustain aussi quand on gratte les accords. Au niveau du confort de jeu, cette lag est beaucoup plus imposante que ses petites sœurs. Alors, la prise en main, là, on sent un peu, déjà, moi, je suis quand même assez grand, ce qui fait que on sent un peu, elle est vraiment imposante dans les bras, mais ça va, on est bien calé, on peut se caler au fond du canapé pépère et jouer. Au niveau des accords, alors elle est quand même plus dure à jouer que ses petites sœurs, ça reste quand même très jouable, hein, au niveau de la qualité du manche, c'est confortable, mais bon, si un peu plus, on sent qu'il y a plus de tension, qu'elle est beaucoup plus brute que ses consoeurs, alors là, quand... Mais ça augmente la qualité du son, on a plus de précision, un son beaucoup plus ample avec beaucoup plus de présence. Alors au niveau de l'orientation musicale de cette guitare, vraiment, vraiment elle va bien dans tous les styles, au niveau de la country. On peut quand même envoyer des petits solos tranquilles et tout avec de la vitesse. Le confort de jeu s'y prête, au niveau des accords, comme vous pouvez l'entendre, c'est vraiment très clair. Elle se prête bien à tous les styles, on peut faire des petits trucs. Alors pour conclure, cette guitare, par rapport à sa gamme de prix, c'est vraiment une très bonne réussite. On a un instrument, on a vraiment l'impression que ça sort chez le luthier. Le son, comme vous avez pu le constater, est vraiment très bien dans tous les styles. On peut faire des accords au niveau du doigt, en arpège. Ça sonne très bien, c'est bien équilibré, on sent bien les nuances. Elle est un peu plus dure à jouer que les autres guitares de la gamme, mais le son est plus puissant, avec plus de basses. Elle est vraiment super, c'est vraiment une super guitare. Pareil, je la conseille, comme la plupart des guitares de cette gamme, à tous ceux qui veulent se lancer dans les guitares acoustiques. Ça permet d'avoir une très bonne guitare acoustique avec une bonne jouabilité, un bon son et un rapport qualité-prix exceptionnel.